Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, la sœur? Il y a longtemps que vous le connaissiez, Bressot? Ça fait des années qu'on se connaît. On travaillait dans la même entreprise, Jacques et moi, avant que j'entre à l'OPP. Mais regardez-moi celui-là! Mais les gens sont fous, eux. Ils sont complètement fous. On leur met des feux rouges, des passages cloutés, et ils trouvent encore le moyen de se faire écraser. Mais comment font-ils pour oublier le danger le plus évident? C'est comme Jacques. Comment a-t-il fait pour dégringoler de là-haut? Lui qui était si prudent d'habitude. Tralala. Ce vieux Brissot, qui me faisait signe d'un de ses étages il n'y a pas 8 jours. Viens, regarde, là le chef de chantier qui s'amène. Il est avec Polo, le délégué de l'OPP. Bonjour, monsieur Perrier. Salut, j'arrive. Vous avez vu Brissot ce matin? Comment va-t-il? C'est pas brillant. Dites donc, vous savez ce qui s'est passé, vous? Bon, on ne sait pas grand-chose. Hier, à l'heure du déjeuner, Brissot est parti très rapidement. Et Brissot, tu te tires? Viens, regarde, les gars. Bah, ça va! Laissez les tranquilles, vous ne voulez pas qu'il est emmerdé, non? 2 minutes plus tard, on l'a vu revenir. On ne sait pas pourquoi. Alors, Jacques, qu'est-ce qui t'arrive? C'est moi qui l'ai retrouvé écrasé, là. On ne sait pas comment il a pu tomber. Il y avait déjà les panneaux, là-haut? Eh non, on n'avait pas encore fini de les poser. Allons voir. Comment va, Jacques? Ça va pas fort. Ah, voilà. On l'a retrouvé juste en bas. Il a dû tomber d'ici. C'est pas possible. On ne peut pas tomber d'ici sans le faire exprès. Mais non, vous me racontez des histoires. C'était pas comme ça au moment de l'accident. Oh, il délégué des ouvriers, qu'est-ce qu'il en pense? Va le chercher. Dis donc, Victor. Il y a du monde qui veut te parler, là. Bon, alors? Non, je t'assure qu'on a touché à rien depuis l'accident. C'est bien ce que je pensais, il n'a pas pu tomber d'ici. Ah, je crois pas non plus. C'est pas dangereux du tout, ici. Bon, voyons. Et d'où voulez-vous qu'il soit tombé? Il a peut-être eu une absence, un malaise. Il aurait fallu qu'il soit monté sur cette planche pour qu'un malaise le fasse dégringoler. Enfin, je le connais, Brissot, non? Il n'y a pas plus prudent que lui. Allons voir au-dessous. Dites donc, il n'y a pas de protection ici. Pourquoi faire? Personne n'a rien à faire à ces étages. La cage de l'escalier est bien protégée, c'est suffisant. Personne n'a rien à faire ici, d'accord? Mais c'est tout de même une zone dangereuse. Enfin, pourquoi voulez-vous que les ouvriers viennent se promener ici? Enfin, c'est vous-même qui parliez d'absence de malaise tout à l'heure.
Vous devriez savoir que c'est contre eux-mêmes qu'il faut protéger les individus. Oh, ça, c'est la belle théorie de l'OPP. Alors autant mettre des barbelés partout. Oh, des barbelés, non. Mais au moins, quelque chose pour stopper un élan irréfléchi, inconsidéré. J'en ai parlé avec Victor. Vous vous rendez compte, ce vide? Oh. Eh oui. De toute façon, ça n'explique pas pourquoi il est tombé, de là ou d'ailleurs. D'ici ou de plus bas. Mais sûrement pas d'en haut. Mais vous avez raison. Pourquoi est-il tombé? Tiens, c'est Regazzi, il faisait équipe avec Brissot. Bonjour, Polo. Salut. Dis-donc, Regazzi, tu vas peut-être me dire ce qu'il avait, Brissot, hier matin. Santo Dio. Il était fatigué hier, Jacques. Il était embêté parce que son enfant était malade. T'as pas ta gamelle? Mais qu'est-ce que tu as, Jacques? T'as l'air crevé ce matin. N'en parle pas. Le gosse a été malade toute la nuit. Et tu te fais des soucis pour ça? Oui. Tu sais bien que les enfants, c'est comme les oiseaux, c'est jamais malade. Peut-être que c'est vrai, mais il faut que je passe chez le pharmacien. J'ai l'ordonnance. C'est ta femme, ça? Et ton bambine, oh, que belle. Écoute-moi, Jacques, ne fais pas de soucis. Viens avec moi, je vais te raconter quelque chose sensationnel. Moi, j'essaie de le faire rire, mais il était trop inquiet. Il devait rentrer à la maison, c'est pourquoi elle est partie si vite. Bonjour, chef. Pauvre Rogas. Mais pourquoi il est revenu ici? Santa Madonna. Merde, et son gosse est malade. Ah, Thérèse doit être dans un état. Bon, il faut que j'y aille. Et le petit, comment ça va? Ça va mieux maintenant, la fièvre est tombée. Dites-moi, Thérèse, qu'est-ce qui s'est passé l'autre soir? On s'est couché un peu tard. On faisait des projets de vacances. Et puis vers 2 heures, Patou s'est mis à crier. Il me semblait chaud, vu sa température. Il avait presque 40. Jacques est parti chercher le médecin de garde. Je vais aller au commissariat. Monsieur l'agent, vous pouvez me dire comment trouver un docteur? Il y a mon gosse qui est malade. Adressez-vous au poste. Le médecin voulait nous rassurer, mais il ne pouvait pas encore dire ce que Patou avait. Ne vous inquiétez pas, madame. Ça s'arrangera très bien. Au revoir, madame. Voilà. Allez à la pharmacie tout de suite, j'en passerai demain. Au revoir, docteur. Jacques est encore ressorti pour trouver la pharmacie de garde. Un demi comprimé d'alcacil à prendre 4 fois par jour. Ensuite, pas mal de camphopneumine pour frictionner la poitrine de l'enfant. Il manquait les antibiotiques. Mais de toute façon, il ne fallait les donner que le lendemain à midi, si Patou avait encore de la fièvre. Il ne pouvait plus dormir, alors Jacques a préparé le café. Et il a dit qu'il n'irait pas travailler pour que je puisse me reposer pendant qu'il veillerait Patou. Mais j'ai pas voulu qu'il manque sa journée. Oui, il vient me débrouiller toute seule. Tu peux aller travailler, tu sais. Il est calme. Je vais rester pour t'aider, tu pourras dormir. Je vais rester couchée, je ferai rien. Je t'assure, tu peux y aller. Tu crois? Oui. Vas-y, je t'assure.
Enfin, j'achèterai les médicaments à midi et je déjeunerai à la maison. Mais oui, tu vois, regarde. Tu vas mieux. Au revoir. Il a dit qu'il repasserait à midi. Et à midi et demi, il était à l'hôpital. Skline. Patou. Skline. L'ordonnance. Comment ça va? Ça va pas fort. L'ordonnance, pas tout. Skline. On l'a retrouvé par terre. Par terre? Exacycline. Tout à l'heure, Brissot délirait, c'est ce mot qu'il cherchait à retrouver. C'est drôle. Il est obsédé par la maladie de son gosse comme avant l'accident. Et c'est ce bout de papier qui l'inquiète encore. C'est tout de même pas jeté de là-haut par inquiétude. Qu'est-ce qu'il a du nom? Il a l'air bien passé. Ben, qu'est-ce que tu faisais encore là? Bonjour. Comment tu t'appelles? Bah alors, réponds au monsieur. Cri-cri. C'est arrivé quand? Hier à midi. Mais alors, c'est ça qu'elle a vu. J'ai rien compris, mais elle était toute retournée hier. Tu as vu le monsieur tomber en face? Bah réponds à la fin! D'abord, c'est pas ce monsieur-là qui est tombé. Écoute, Cri-Cri, faut pas avoir peur. Je te mangerai pas, tu sais. Alors, rappelle-toi, comment il est tombé, le monsieur? Il faut me le dire. Pourquoi? Eh bien, pour que les autres messieurs ne tombent pas. Tu comprends? Allons, Cri-Cri, raconte au monsieur. Alors, le monsieur, il était là-haut. Il travaillait avec les autres. Et puis, il est parti quand il a entendu le coup de sifflet. Allez, allez, Jean, dépêche-toi, va. Salut, regardez.
Alors, pris d'une sorte de panique due aux fatigues de la nuit, à l'inquiétude, Jacques n'a plus pensé qu'à récupérer l'ordonnance tout de suite. À tout prix. Voilà. Je n'empêcherai jamais les gens de passer de nuit blanche, de songer d'inquiétude pour des questions personnelles. C'est la vie, on n'y peut rien. La vie, la fonction de la prévention, c'est de prévoir et de protéger les gens quoi qu'ils fassent, je vous l'ai déjà dit. Et vous voyez, malheureusement, ce n'est pas une belle théorie abstraite de l'OPP. La cause réelle de l'accident est à rechercher dans l'esprit de la victime elle-même. Et pourtant, Brissot n'est pas responsable, on ne pouvait pas l'empêcher de penser à son gosse. Mais nom d'un chien, qu'est-ce qu'il fallait faire? Vous pouvez me le dire, vous qui êtes si malin? Oui, je peux vous le dire. Protéger Brissot contre sa propre inquiétude. Il allait ce soir. Le docteur peut toujours pas se prononcer. Au revoir, Paul. Au revoir, Thérèse.